je ne suis déçu de rien. Et si vous avez écouté ce que j'avais dit tout à l'heure, j'ai dit ce qui nous lie, nous, leaders politiques, c'est de tout faire pour donner donc à la population togolaise son alternance en 2020. Là-dessus, entre nous, candidats, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices. Mais n'oubliez pas aussi, de toute façon, que l'habitat ne se fera pas le plus. Que quelqu'un accepte quel comportement, hein. En tout cas, ce n'est pas ça le plus important. Moi, ce qui est le plus important, c'est au niveau des textes, il ne faut pas violer les lois. C'est ce que nous avons dit la dernière fois, donc, sur la Cour constitutionnelle, sur également donc, la CENI. Les gens sont déjà en campagne. On met les affiches, on ne dit rien. On distribue donc de l'huile, du savon, du riz et tout ça. Oui, on ne dit rien. J'ai même interpellé donc le président de la Cour de la CENI. La campagne est ouverte, il me dit non. Alors que je lui ai envoyé les photos, les huiles et tout ça. Bref, la seule certitude qui m'anime, moi, la tenance sera là en 2020. Elle sera là. Le premier acte que je poserai, j'irai moi-même en prison libérer Batia Niasimbe. Le deuxième acte, je me déplacerai pour aller rencontrer Tibi Akadam, rencontrer François Bocco. Je les rencontrerai. C'est aussi des actes qui participent de toute façon à la réconciliation nationale. Et donc, je ne vais pas dire que je suis après les élections, mais en fait, disons, pratiquement. Et je crois quand même que de toute façon, le sort du Togo, en tout cas, sera autrement. Parce que nous, les Togolais vivons mieux. Et sur le plan international, nous retrouvons notre fierté, notre dignité. Sur le sujet pour lequel nous avons été invités, annonçant la non-candidature à la révalidation. C'est une question de texte. On ne peut pas vouloir faire la démocratie et dessiner les textes. On ne peut pas du moins dire qu'on veut construire un état de droit et puis de tout on viole les textes tous les jours. Ceux qui disent, moi je n'ai pas étudié ces questions, mais elles me semblent pertinentes en les écoutant. Maintenant la saisine est faite, nous allons voir de quelle réponse les hautes juridictions de tout les hautes juridictions judiciaires ou juridiques togolaises vont donner de mon soumet à sa requête. Mais d'une manière ou d'une autre, nous aussi on a dénoncé une certaine chose, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Ce qui dit, on ne peut pas faire l'état de droit, mais on piétine les terres, c'est pour les autres. Et on s'affranchit lorsque ça devient contre un coup d'autre. Je crois quand même que la première préoccupation de tout ce qu'on a dans une république, c'est que nous sommes tous sous l'autorité de la loi. La loi doit être la même pour tout le monde.